Good morgen, allez, idem, et tu seras aujourd'hui, les lunis, schmat, micharon, ben, fortune, mazal, claude, il sera ben, fortune, mazal. Si vous souhaitez vous aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions dans Sechatanit, Perikbet, Mishnah Aleph. C'est-à-dire, Taniot, Keïsad, Motsin, Atatavali, Rechovachel, Irvin, Fermakle, Al-Gabé, Ateva, ou Berosh, Anasi, ou Berosh, Avbeddin. Le Kol Echad, Ve Echad, Noten, Berosho, Azaken, Cheben, Omer, Lefinem, Dibre, Kibushin, Anachnu, Lonemar, Achenu, Lonemar, Ben, Chenin, Ve. Vayar Elohim et Sakam et Ta'anitam. Ela Vayar Elohim et Maasehem qui Shavu Midarkam Hara'a. Ve Kabbalah Omer ve Kir'u Livavchem ve Al Bigdechem. On a vu dans le premier chapitre l'ordre dans lequel on devait jeûner, la première série des jeûnes, de trois jeunes, puis après de sept jeûnes publics. Chaque fois ça allait en s'amplifiant. Au début c'est que Talmidei Chachamim, après c'est tout le monde, mais depuis le petit matin. Après ce moment, depuis le soir, puis après la série des 7 jeunes, où là, ça devient supra rigoureux. On avait vu Be'elou Matrein, qui ont même sonné du chauffard et faire des tefillot spéciales. Et notre chapitre va démarrer maintenant avec le rituel durant ces jours de jeûne. Seder Taniot, l'ordre des. Le rituel, donc, des jeûnes. Keitzad, comment devait-il se procéder? Motsina Tateva, on faisait sortir la Teva, l'ir Chovash el Ir, sur la place publique. Venotni Nefer Makle al-Gabé Ateva, on devait mettre de la cendre. Sur la Teva, et faire ma clé, c'est la cendre qu'on a brûlé quelque chose pour obtenir sa cendre, on en met un peu sur la Teva. On en met aussi au Berosh Anassi, aussi sur la tête du, littéralement, du président, du prince d'Israël, celui qui dirigeait le peuple concrètement, parce qu'il n'y avait plus de roi. On était sous domination romaine, même à l'époque de la Mishnah, mais il y avait malgré tout un dirigeant d'Israël avec qui donnait le. Celui qui fixait le diapason pour tout le peuple, qu'est-ce qu'il fallait faire, quoi faire. Et donc c'est à Eubéroch Avbedin aussi à la tête du grand juge aussi d'Israël, les deux plus grandes personnalités, tandis que Vekol Echad Vechad Noten Borjou, tandis que chacun devait se le mettre tout seul. Soit on fait un petit point de qu'on a dit, de ce qu'on a dit. On a vu que d'abord, là, on va faire sortir le Aaron, l'arche où il y a la Torah qui se trouve à la synagogue, on va le faire sortir sur la place publique, parce qu'aujourd'hui on va prier en public. C'est une manière d'exprimer. Tant qu'on était encore là, au Beth Amidrash de manière pudique, on n'a pas été exaucé. Maintenant, on te montre Hachem, on est devant toi, on est jeté dans la rue, on a besoin de ton aide. Et voilà. Donc maintenant, il va falloir mettre aussi de la cendre à l'endroit où on met les tefilines, sur le fond. Et on va donner donc de la cendre. C'est une manière de marquer que l'heure est très grave, qu'on va tous être réduits en cendre, ou Chas V'Shalom en poussière, si toutefois Hachem ne veut pas nous faire tomber la pluie. On donnait donc du fermaclé sur la fermaclé, c'est de la cendre, de quelque chose qu'on a brûlé, sur la Teva et sur la tête des deux dirigeants d'Israël. Tandis que pour chacun, alors là, pour eux, c'était quelqu'un d'autre qui venait, qui leur posait sur la tête ou sur le front. Tandis que Vechol Echad Vechad, et chacun des venus d'Israël qui était là-bas, Nathan Bourgeois s'en met tout seul sur sa tête. C'est plus quelqu'un qui va venir le mettre. D'accord? À part ça, deuxième sujet maintenant, alors deuxième sujet, deuxième étape. Azaken Sheben, le vieux parmi tous, celui qui est le plus sage et vieux et âgé, eh bien, Omer Lefnem Divrei Kibushin, il devra dire devant eux, devant le peuple, devant la Keïla, l'assemblée, il devra leur dire des Divrei Kibushin, des paroles de remontrance, si je peux dire, ouais, qui ont stimulé le cœur à faire mieux. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Un exemple, ou une introduction, il va leur dire, Achenu, mes frères, Lo Ne'emar Ben Shemin Ninve. Dans la fameuse histoire de Yonah, lorsque Yonah a dû partir à Ninive et tout ça, et qu'Hachem finalement il a vu, il les a pris en pitié. Le passage ne dit pas qu'Hachem il a vu qu'ils jeûnaient et qu'ils portaient des habits des linceuls. Non, il n'y a pas écrit ça dans le passage. Qu'est-ce qu'Hachem il a vu? Et là, va yar Elohim et Maasehem. Hachem il a vu leurs actions, qui j'avoue midarka mara, qu'ils ont tous revenus sur leurs actions, ils ont tous fait tchouva. C'est dans deux mots le passage. La Mishnah, elle vient me dire au nom du Chacham qui va nous faire le discours, il va leur dire, les amis, on n'est pas là pour jeûner et crier et faire des tonnes de zgoulottes et de teilim et de... Non, non, il y a une chose qu'Hachem il attend de nous, c'est qu'on se reprenne en main. Lorsqu'on se reprendra en main, alors Hachem nous donnera tout. D'accord? Comme c'est dit expressément dans l'histoire de Ninive, où Hachem il a dit qu'il a vu quoi? Ils ont jeûné, ils ont tous jeûné, ils n'ont pas mangé pendant 3 jours, ils étaient... Mais malgré tout, qu'est-ce que Hachem a vu? Ils ont vu que Bémet, ils ont fait une tchouva. Il n'a pas vu qu'ils ont arrêté de jeûner. C'est bien sûr qu'ils voient, mais c'est tout. C'est. Comment dire? C'est super, super. Superficiel.
Non, c'est pas le bon mot. C'est. Bon, c'est pas. On s'est compris. D'accord? Ou Bekabala ou Omer, et dans les textes saints, dans les agiographes, il y a un autre passage qui nous dit aussi que de nouveau, Hachem y voit nos actions, notre tchouva, plus que nos belles filotes et des longueurs de livres et de télé, m'a dit, non, Hachem, il attend qu'on fasse un vrai, une vraie route, un vrai réveil. Et comme le passage nous dit, et déchirez vos cœurs au lieu de déchirer vos vêtements. Soit quelqu'un qui est endeuillé, il déchire ses vêtements. Hachem me dit, arrêtez quand je ne fais pas tomber la pluie, ou quand je les éprouve, arrêtez de vous mettre à faire des grandes filottes avec des habits déchirés, c'est pas ce qu'on attend de vous. On attend de vous que le déchirer vos vêtements, que vous déchiriez votre cœur, que vous le sensibilisiez un petit peu plus à faire mieux pour la prochaine fois. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha, Kol Tov, Salam.